Non, 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 il a fait pas, il a rien fait du bonus. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un œil dans le rétro sur... Pupapang. C'est Pupang, jeu de 90. Je me suis dit, on va pas faire Pang parce que je le connais trop. Plutôt Super Pupapang. Pang, que je jouais quasiment que en arcade. On m'avait prêté la cartouche sur Super NES. Super Pang, Super NES, il y a un peu le délire, hein. C'est pas Mega Pang, Mega Drive, non. En vrai, je suis pas excessivement bon dessus, mais vous allez voir, c'est un jeu incroyable. Comme quoi, avoir des foreuses et péter des ballons, ça peut être super. On va jouer. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs modes de jeu. J'avais oublié. La musique. C'est trop pour moi, c'est des sons, c'est old school de ouf. Tour mode, hein. Tour mode. Donc, très simple, il y a des ballons, il faut les détruire. On peut tirer avec une foreuse, on peut tirer qu'une seule foreuse à la fois, sauf si on a cet incroyable bonus. Et le but, ça va être de pas se faire tuer par des ballons. Si c'est bien connu, les ballons, c'est meurtrier. Et on pourra donc tirer que vers le haut, dès que ça touche le plafond, et bah ça dégage. Certains objets et décors comme ceux-là peuvent être détruits. Et on a certains power-up, comme on a pu voir. Alors ça va ralentir. Pas du tout. Oh putain, attends. Ah, j'ai failli pas l'avoir. Allez. Hop, hop, yes. Pouet. Et donc, ça, on avait la possibilité de jouer à deux, ce qui était assez chouette, à vrai dire. Ce qui fait que le premier, le Pang, premier du nom, on y a beaucoup joué sur Atari avec mes frangins. On le connaît bien. Et ça fait partie d'une race, entre guillemets, de jeux qui sont considérés comme très difficiles. Surtout qu'il n'y a pas de diagonale. Alors, ça paraît logique, vu qu'on fait droite-gauche, machin. Mais si vous mettez une diagonale, en fait, ça avance pas. Donc, il faut faire super gaffe. Dans Super Pang, sur Super NES. Ta gueule. Oh, la double arme, c'est très fort. Hein. C'est très très fort. C'est pas la meilleure arme du jeu. Il y a bien évidemment d'autres armes. Il nous la drop à tous les levels pour le moment. Alors ça, c'est une nouveauté dans Super Pang. Ce sont des ballons qui ne font pas comme des ballons. Ah non, je tire un gros tour dans le vide avant. Oh non, cette perte de temps de ouf. Tiens, bâtard. Ah oui, ça c'est bien aussi. Ça, quand ça touche le plafond, ça reste. Alors si... Putain, laissez-moi rester. Mais putain, oh bâtard. Ah, j'ai eu la double, ça a remplacé, on n'aura pas vu l'arme. Il y a un oiseau qui est passé en attendant, qui s'est fait casser le cul en tapant dans les ballons. Et c'était un jeu qui faisait voyager, parce qu'en fait à chaque fois on va dans des nouveaux pays. Et, attention, en diagonale on parlait. Et donc à chaque fois les décors étaient sympatoches en fonction. Hop, on va passer comme ça. Non, nul. Ouais, la dynamite qui peut... Qui détruit tout et vous fout dans la merde. Tout ce qu'il faut retenir de la dynamite. Yes. Oh putain, oh. Le mec il perd 2 vies sur le même level. Incroyable. Ce jeu est dur. Oui, ce jeu est dur, ok. Allez. Ah, ça c'est une vie, en gros, une invulnérabilité pour une fois. Ouais, très fort. Ouais, surtout avec ça. Voilà, parfait. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ça vaut le coup. Oh non. Chaud, on va passer, on va attendre. Yes, on va les laisser passer. Alors attention, cette petite merde, elle bloque vos attaques, elle file des points, donc ça vaut le coup de la détruire, hein, comme dans tous les... Dans jeu, je crois que si ça rebondit assez haut pour... Putain, vous foutez de ma gueule. Revenez, bande de bâtards. Alors, il y a un timer, hein, donc le but, c'est pas non plus d'arriver à la fin de ce timer, sinon on perd aussi. Oh putain! J'ai perdu un crédit complet sur ce level de merde. Ah, le flingue à tout son. Alors là, pas le temps de niaiser. Faut pas prendre la dynamite avec le flingue. Attends. Est-ce que lui va passer? Oui. Est-ce qu'il va passer cette fois-ci? Non. Bon, prépare-toi à mourir, bâtard. Le mec qui se met à insulter des ballons. Tu sais que t'es au bout de tes nerfs quand tu commences à insulter des ballons. Attention, c'est bien compliqué. La musique. Merde. Hop, hop. Ah, raté. Ouais.
Oh putain! Enfoiré! Le grid! Yes! Le grid, hein, non. Super pang! Super, super, super pang! Alors, je crois qu'on peut avoir des bonus, alors, hormis les points, en détruisant tout, voilà. Yes, une vie, mon pote! Vas-y, let's go. Allez, ça dégage. Stage clear. Pardon. La musique, c'est toujours la même, mais un peu plus long. La belle banane. Ah oui, non, ça ralentit pas, je suis con, ça donne juste plus de timer. Vas-y, histoire de bien se foutre dans la merde, là. Hop, hop, hop. Putain. Allez, la banane, cette fois-ci, elle est où? Oh, oh le bâtard. Merde, 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 j'ai foutu le café partout. Attends, si je rate, ouais, c'est ça, ça détruit les trucs et fout la merde. Oh putain, il faut pas rater. Donc je tire partout. Vous avez chopé une vis, trop bien. Blablabla. La 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 la. Je spam, je spam, je spam. Je vais mourir. Non, c'est bon. Ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé, mais j'ai quand même du café sur ma souris. Putain. Hop. Voilà. C'est... Attendez. C'est bon. Je vais quand même la détruire avant de... Les petits ballons là, avant de monter. Hop, voilà. Je crois qu'ils nous hit eux. Enfin, ils ne peuvent nous toucher. Ouais, je suis trop touché par les oiseaux, comprenez. Non, je comprends pas, madame. Si. Non. Faut vite se barrer de ce monde à cause de la musique. Tout. Allez, bim. Putain, faut vite finir le jeu à cause de la musique. Putain, ça sent le piège. On le tente quand même. Vas-y, on le tente de ouf. Non, 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 il a fait pas, il a rien fait du bonus. Tiens, bâtard. Oh putain, 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 il en restait 4, t'es sérieux, bonhomme? Le bruit du bonus, quoi. Brum. Et voilà. Voilà, 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 c'est comme ça qu'on finit des levels, ok? Oula, c'est la merde, ça. Ouais. Putain, c'est la deuxième fois qu'il nous pose cette arme, quoi, t'es là, mais... Ah ouais, mais je suis con, en fait, tu peux péter les trucs en dessous. Qu'est-ce que je fous? Oh, je vais me faire buter, moi. Oh! Oh non, non! Ouais, j'étais tellement mort, il n'y avait plus de ballon qu'arrivait là. Ah, ça dure pas très longtemps! Non, non, mais non, on l'a vu arriver! On l'a vu, qu'est-ce que c'est que cette merde là? Oh putain. Non! Ah, l'enfer.
sais plus s'ils nous font des dégâts. Les trucs, ils explosent carrément. Genre, totalement logique. Ding, 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 ding. Real Edge est clear. Allez, on change la difficulté un peu. Alors là, non, mais c'est pas grave. Oh putain! Il y a beaucoup de bruit de mitraille dans cette musique. Hein. Oui, c'est un bruit de mitraille dans ma tête, ok? Peut-être que dans vos oreilles, c'est juste du son. Je vous assure que... Fais gaffe parce que l'animation d'escalade, elle nous fout dans la merde à chaque fois. Tu veux faux rebond dans ma gueule? Tu t'avances, tu fais un vieux rebond dans le coin, il revient dans ton huc. Allez, t'es content là de t'être fait déglinguer la gueule ou pas? Non, 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 mais non, je leur voulais pas de ta race de merde, de bonus de chiasse du cul. Ça redescend, putain, je suis content d'être monté. Ah. Putain, on avait fait le level de ouf là. Je suis autant d'axe. C'était la dernière vie Super Punk 90 Capcom, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel œil dans le rétro. Allez, salut!